Ohayo minasan, et bienvenue sur l'épisode 126 de Fallout 4. Donc voilà, c'est la suite de, on va dire, l'épisode 125. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. Étrange, les capteurs doivent avoir un souci. Voilà. Ordre de l'Institut, je dois vous détruire. Je vous préviens, je ne peux pas vous laisser poursuivre vos attaques. Nouveau modèle économique, un partenariat avec une morgue. Vous voyez où je veux en venir, non? Ouais. Apparemment, ce n'est rien. Mes capteurs ont peut-être besoin d'être calibrés. Calcul de l'attaque la plus efficace. Je suis prêt à les recevoir. Tu fais mal, toi. Mouvement détecté. Vous êtes en train d'endommager un bien de l'Institut. Système endommagé. Application de photo. C'est vraiment un truc qu'on fait souvent. Gagner, je veux dire. C'était une erreur. Aucun ennemi détecté. D'où vient toute cette poussière? Des fées? Oui, perdu. Ouais. Il y a quelqu'un. Alors ça, il y en a un qui est encore en vie. On va se défouler un peu. Votre destruction. Il fait des bruits bizarres quand même. Peut-être trop sensible. Sensible. Génial. Une issue possible. Ah merde. J'ai pris une fourchette de dîner. Ah. Bordel de merde. Statistiquement parlant, votre survie est... La sensibilité de mes capteurs doit clairement être réglée. Bingo. Nice. Oui. Nice, nice, nice. J'attaque la cible même. Synthétique de l'Institut endommagé. Veuillez ne pas bouger. Sur mes capteurs. Combat engagé. Ça y est.
Je dois mettre un terme à votre existence. J'engage le combat à distance minimale. Je arrête en cours. J'ai été touché. Évaluation des dégâts. C'est bon. Je finirai forcément par... Ok. Comment ça se fait que ça a explosé ça là-bas? Sérieux? Depuis quand les choses explosent comme ça en mode normal? Normalement, entre guillemets, que... Glory va me passer un sac à savon quand je rentrerai. Désolé. Ouais. Et moi qui espérais passer la journée à lire Proust, merci de me l'avoir pourri. Je suis touché. Ok, il a piqué l'arme comme ça en mode ouette. Détecté. Curieux. Votre élimination est nécessaire. Jouer, mon pote. Vous devez ressentir une vive terreur. On va se défouler un peu. Un sacré recul, pêche. Vous vous débrouillez vraiment bien. Un peu trop, même. J'adore les bidules de l'ancien monde. En plus, ils valent leur pesant d'or.
note, je ramassais une note. Une note. Ok. Mais le mec, c'est... Sérieux. Bon, allez, on sort de ce bordel là. Bon, en tout cas, j'ai récupéré une arme qui était sympathique. Il faut vraiment être crado pour en arriver là. Ça en devient presque impressionnant. Ah bon? Moi, je trouve que c'est joli le paysage là. J'ai envie de chier. Là-bas, il y a une zone pour chier si vous voulez. Mais c'est une mouette! C'est une mouette! C'était une mouette mutante! Une mouette mutante! Ok. Ok les gars. Le mec il arrive même pas à tirer sur ça. Ah si. Et paf, la mouette mutante. C'est pas pour moi, ça doit puer le fangeux en bas en fait. On va être taquiné. Un peu. C'est là qu'on est censé sortir une réplique shakespearienne sur la mort et votre inévitable fin prochaine. Arrêtez tous! J'ai une écharpe dans le doigt! Okay. Le truc, c'est de pas mourir. Tu seras battu sur lui. Ça va pas éviter quoi. Normalement, c'est pas mon snipe ça. Je l'ai pas encore sorti de mon inventaire, je sais pas. Putain, mais sérieux? Eh putain! Vous avez le droit de vous enfuir, hein?
tirerai pas, promis. Il fait du bruit bizarre quand même, hein. N'empêche. Tout ça pour une boîte. Ouais, je me dois. Et moi qui espérais passer la journée à lire Proust, merci de me l'avoir pourri. J'adore mouiller, ça se voit. Alors, enfin, un dodo avec le squelette. Voilà. C'est pas où je vais, je fonce dans le tas. Wouhou! Jamaica Plain, ces chasseurs de trésors, ces cadavres. Ah bon? Cadavres et ces histoires de pauvres types qui y ont tout perdu. Il est beau notre Commonwealth, hein? Ouais, je dis, ouais. Ouais, j'ai toujours visité. Et là, y'a rien. Tu es cette ordure! Regardez pas. Mais... Sérieux le Gusty là? Putain, mais il est chaud le Gusty là, oh! Putain, mais schéma le con! Oh my god! Ah, c'est vrai que j'ai augmenté les temps de l'objet. Ah ouais, je suis passé ici. Ok, tout ce temps c'était un foutu marqueur. Je crois qu'il y a une quête là-bas. Ah, sérieux. Écoute mec, ça fait un bail que je réfléchis à la question, alors je sais de quoi je parle. Connerie. Tu peux pas mettre tout et n'importe quoi dans du pain et appeler ça un sandwich? Et deux tranches de pain sans rien, c'est quoi? Un sandwich au pain? Techniquement, oui. Mais...
Tu le mangerais pas d'un seul coup, donc ça change rien. Tout ce qui compte, c'est la façon de le tenir dans tes mains. Tu peux causer tant que tu veux, mon pote. Mais même si tu fous ce steak de fangeux entre deux morceaux de pain, tu pourras pas appeler ça un sandwich. Ah ouais? Et t'appellerais ça comment, toi? De la merde. Hein? Oui? Excusez-moi. Hein? Non mais sérieux, mais... Hey! Hein? Eh oh! Tiens, une tenue. Ok, il n'aura pas été toujours au même sur le truc, ok. Oui? Ok, bon, ça va, bon, sans moi. Bugué ou je sais pas ou autre. C'est quoi cette zone là? La tour relais OS. On dirait que ça va devenir marrant. Non mais elle est excitée elle. C'est quoi cette autre excitée de merde? Je vois qu'une issue possible. Bordel de vie, où est-ce qu'ils ont bien pu aller? Je sais pas à quoi ça sert, mais... C'est peut-être utile pour quelque chose. Peut-être pour savoir les radios dans tout le temps des zones reculées, peut-être. Je ne sais pas pourquoi j'ai activé ce machin, mais je m'en fous. On verra plus tard. Donc là-bas, ça c'est ça qui est d'accord. Je suis passé par là, non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Non. Je ne suis pas encore passé par là. Ah mais sérieux, il faut qu'ils s'arrêtent les mecs là. Tu vois tout ce qui bouge. Ça sent pas bon. Pas bon du tout. Ouais, t'as vu ça? Joli. En fait, j'ai récupérez ce qui en vaut la peine. Vous allez finir par vous casser le dos à force d'accumuler du bric-à-brac sans valeur. Mais non, c'est pas sans valeur. Il y a un certain ours là qui... Les munitions, ça coûte un bras. Si on vous paie, vous pourriez faire les morts? Vous savez que j'adore les longues journées passées à rien faire, pas vrai? Alléluia! Alléluia! What the fuck? C'est quoi cette bestiole encore? Oh my god! On va prendre ça. Passe de rate sur sa gueule, c'est prendre des chips. Normal. Normal, normal, est-ce que j'ai. Ouais. Comment ça? Yeah.
pâte et on saute et on vise et on tire sur ce légendaire. Yo way. Qu'il est bien, mais c'est qu'il dure très longtemps là. Ça sent pas bon, pas bon du tout. Quoi, maintenant on est encore en danger? J'ai beaucoup d'alcool sur moi. On prend du vin. Ça sent pas bon. Pas bon du tout. Comment ça, ça sent pas bon? Ça sent pas bon. Pas bon du tout. Regarde, t'as répété, ça sent bon là. Ça sent mauvais. Il est sérieux, lui. Je vois parce qu'il n'y a pas d'ennemis, il dit ça. C'est chelou. Je vous jure, il y a des choses bizarres dans ce monde et des choses bizarres à récolter, hein. N'empêche. Pitez. Pas moyen d'ouvrir d'ici. Soit c'est Deacon qui essaie de rentrer par force, ou soit c'est qu'il y a des connards d'ennemis. Ah ! Il faut encore se battre. Ah, ah, ah putain. Putain, mais elle sort d'où ces saloperies ? J'espérais qu'ils seraient tous morts à ce stade. Idem. T'es comme ça, ok d'accord. Mange ça dans ta tronche. Monsieur Drockman. Vous resterez pas caché longtemps. Ça sent pas bon. Pas bon du tout. C'est quoi cet enchaînement de phrases qui dure? N'importe quoi celui-là. Ah mais je te jure, il dit que des n'importe quoi là. Enfin, que des conneries quoi. Ok, que dalle. Oh
fait le tour de la propriété là. Ça sent pas bon. Pas bon du tout. Ouais, c'est toi, péter ça. Je vais voir là. Qui est ? Vas-y, passez en moi, c'est qui ? J'ai la meilleure ferraille du Commonwealth. Regardez un peu. Ah bon ? Bon, bah on va troquer, on va voir un truc. Voyons ce que vous avez là. Ouais, on va dire ouais, entre guillemets, parce qu'elle a pas vraiment ce qu'elle dit. Y'a-t-il quelque chose d'intéressant ici ? Un peu de la merde, ouais. Il y a quelqu'un, ouais, j'ai compris. Tac tac, Kedel. Ouais, je vais aller. Il est là, elle, donc on va éviter de toucher à ça. Hein. Petit bain. Ok, bon. Pas peu tout, mais. Ça fait plus d'une heure que j'en train de filmer là. Je vois qu'est-ce qu'il y a ici. Tiens. La porte de l'eau. Ok, que ça. Ok. Bon, ben, je pense que je vais arrêter d'enregistrer là. Donc voilà. Donc là, ce sera la deuxième partie de l'épisode, je pense que oui. Donc je vous dis à plus tard pour une autre aventure. Il y a un surf là-bas, je vais pas trop me crocher. Donc c'était Guincho. Bye bye!